appelé. Donc, parce que vous voyez comme ça, je vais vous permettre de parler mal ainsi de mon propre bureau. Même à il faut qu'on se répète à Dieu. Si Christ avait dit ça, elle nous fait la solution. On m'a parlé d'un produit là, il fallait l'énergie. La tonus, ça donne la vitalité. Et c'est tellement riche en coralline, sans tonus. Et je pense à ce répétable, merci à rien. Voilà. Voilà moi maintenant. C'est toi qui attends de faire bouche ici. Tu as vu Bufalo. Voilà comment ça m'a rendu. Ben ouais les gars, ils sont en baisse, qui parlent, ils n'ont pas force. Déjà c'est un double jeu. Avec cette canette d'énergie Bufalo, quand tu bois, tu as du tonus, tu as la vivacité. Sors de mon bureau. Tu es là encore. Tu es là. Regarde-moi. Sors. Salutations à tout le monde et à tous ceux qui disent au béni, c'est un ensemble fouetté. Vous connaissez cette Thierry Zo? Ouais, ça chauffe pas. Buffalo toujours, en esprit, Buffalo toujours positif. On est ensemble fouetté. Non, mon petit Anderson Premier, ton son là, c'est du balèze. Je vous invite tous à télécharger ce son. C'est trop bon. Écoutez un peu. Moi et Buffalo, on se laisse pas aussi. Téléchargez sur la page dans Anderson Premier. On est ensemble fouetté. On va pas se laisser. Ok, il y a les chap chap, taco taco. Taco taco même, Didi, ouais, fouetté. Et les vieux moraux de la fédération, que ce soit première division, deuxième division, troisième division, et les vieux moraux. C'est-à-dire que si vous-même vous aimez à faire du football de Côte d'Ivoire, vous savez que le football ivoirien a pris un coup, un gros coup même. Il n'y a personne au stade. Même si le stade est cadeau même, il n'y a pas l'homme qui allait regarder vos ballons encore. Allez-vous regarder pourquoi. Vous allez donner quel jeu aux gens. Vous allez montrer quoi? Les gens préfèrent attendre télévision pour aller Champions League. Mais quelqu'un en train de venir, quelqu'un en train de se mobiliser, il va devenir président de la Fédération de football. Didier Drogba, le Drogba national, le Babadé. Tio, nous on ne connaît pas Champions League. À cause de Drogba, nous on a regardé Champions League. Et puis on est resté là-bas. Drogba va devenir président de la Fédération ivoirienne de football. Vous allez attirer aux élections, hein, ça? Ça là même, on ne fait pas élection. On dit Drogba, voilà ça. Bah, à travers Drogba là, on peut faire venir toutes sortes de présidents, toutes sortes d'entraîneurs pour venir entraîner l'équipe nationale. Vous aussi, essayez de tricher les gens. Tricher un peu les Français. Tricher un peu. Comment il s'appelle même? Je suis en train de chercher son nom là, ce grand joueur là. Odu, il a été président. Il a été président. C'est les situations comme ça que vous devez prendre. Drogba aujourd'hui dit que lui veut être président. Vous voulez mettre les bâtons dans ce monde. Non. Toi, tu as été présenté comme Drogba. Toi-même, quand tu te regardes, tu as été présenté comme Drogba. Toi, tu as quel challenge? Même dans ton village, même quand tu marches, même personne ne te regarde. Personne ne prend photo de toi, personne ne t'applaudit. Toi, tu as venu, toi, Drogba veut être président de la Fédération ivoirienne de football. Toi, tu as venu te mettre, dit que toi, tu as été mettre candidat contre Drogba. Tu as le foutaise toi mon là. C'est les morts qui ont été regardés. Tu peux pas payer ballon pour club ivoirien, pour les clubs ivoiriens. Toi tu peux pas payer maillot pour donner aux gens. C'est toi qui as devenu. Tu as allé te comparer à Drogba pour faire. Drogba, en temps normal là, c'est nous, c'est toi
Nous, les Ivoiriens, on veut que ce soit toi. Parce que c'est toi, là. Toi, sur le Drogba, tu dis que toi, tu dis que toi, tu es vendredi, toi, tu es au stade Félix-Fé Boigny, là. En gué stade Félix-Fé Boigny, là. Pour voir Drogba seulement. C'est-à-dire que tu as t'entraîné, tu as tiré coup franc. Drogba va tirer coup franc. Tu places les bois-bois, là, et puis tu as tiré coup franc, là. On paye ticket pour aller regarder Drogba en train de tirer coup franc. Didi, on paye ticket pour aller regarder Drogba tirer coup franc. A vous raison, Drogba va devenir président. Président de Côte d'Ivoire. Footballistiquement parlant. Président de la Fédération Ivoirienne de Football. Joe, ça c'est un doigt pour nous. Il va envoyer tous les grands stars là ici. Tous les grands stars. Et puis tous les petits du jour ballon à tirer moi là. C'est le doigt qui est sorti comme ça. Tous les petits, tu veux ressembler à Drogba, tu veux ressembler à Etofi, tu veux ressembler à Yaya Touré, tu veux ressembler à tous les grands célébrités. Hein? Ils vont avoir les chances. Les recruteurs vont venir en foutaise en Côte d'Ivoire. Les gens vont nous considérer. Par exemple, Drogba peut prendre son téléphone et peut appeler le président de la République pour dire non, ah, c'est quoi, c'est quoi. On a besoin de toi au stade, on a besoin de temps d'attendre. Drogba, c'est direct. Il n'y a pas secrétaire, il n'y a pas conseiller. C'est du taco taco. Et il faut retirer ta candidature, mon. Si toi-même, là, tu penses que tu aimes le football de Côte d'Ivoire, là, il faut retirer ta candidature. Tu vas laisser Didier Drogba seul là-bas. Voilà. Il faut retirer ta candidature, frère. Viens, mon. Tous les bougnants, mais il faut retirer ta candidature. C'est Drogba qui doit être président. Voilà. Drogba, mais c'est un honneur pour nous. Il n'est pas venu manger. Drogba n'est pas venu manger. Il mange déjà. Son gré là, il gré déjà. Ça veut dire qu'il veut faire avancer le football ivoirien. Il veut faire avancer. Il connaît le talent. Il connaît les vrais joueurs. Il y a des petits qui sont dans les coins, qui sont en train de jouer le football dans les pays différents. Et il veut ressembler à Drogba. Ils ont la chance maintenant que Drogba est devenu président. Hein, il va chercher. Il va les recruter. Ils vont venir. Parce que si on prend un mort ici pour recruter les gars, et il ne le respecte pas, lui il touche quel dieu, il a déjà touché quel dieu, et il peut le payer, il y a la mamaille dedans. Donc les joueurs ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils ne jouent pas ce qu'ils veulent, ils ne donnent pas les pieds, ils ne vont pas au coï, ils ne font rien. Et puis on perd, on nous touche en agoumen. Côte d'Ivoire joue, on ne dirait pas que c'est Côte d'Ivoire du jour. Côte d'Ivoire joue, on ne dirait même pas que c'est Côte d'Ivoire du jour. On ne va même pas au stade, on ne porte pas les maillots, on s'en fout d'eux. Mais quand Drogba va prendre l'équipe nationale, la Fédération Ivoirienne de Football, quand Drogba va prendre ça là, non, c'est Zangou en maillot de Côte d'Ivoire. On va aller au stade, on serait mobilisé, on va supporter toutes les équipes. On va supporter, moi je suis à Bassam, on va supporter YSB, on va supporter Mossou, on va supporter. Non, peut-être même là nous on serait président, on serait champion aussi. Parce que tellement qu'on veut que Drogba n'est pas nous remettre, qu'on veut voir Drogba Fafa tous les jours, contempler notre football. Voir nos petits en train de jouer ballon. S'il y a un petit qui devient dangereux, il va le faire partir dans les pays pour vouloir jouer. C'est ça qu'on veut. Quoi que toi, tu avais une débrouillante. Il n'aime pas ça. Hein. Allons ça. Salutations à la mère Esther, salutations à Diamant Noir, salutations à mon fils Nkou Kao, salutations au capitaine des guerriers de Côte d'Ivoire et la diaspora à Zarapaou, salutations au vieux loup de Bayota, salutations au Dozofa Fabidja, salutations à tous les guerriers positifs et à mon groupe WhatsApp. Consommez Buffalo. Consommez Buffalo. La canette énergie, tu donnes la santé, tu donnes le bonheur, tu donnes la réussite. Que Dieu vous bénisse en ensemble fouetté.